Hi guys, welcome back to our channel. So if you're new here, I'm T and we are the Islanders family. And today we are going to prank Rudy. Yes, Team T, we are going to prank him because he hurt me so many times with his prank. And today I decided to do a prank that will make him go extremely mad. I told him to go to the supermarket, but I didn't go to the supermarket, obviously. I was just here all that time and see? Trying to call me, guys. He's trying to call me. I'm gonna put flight mode because normally it should take me only 5 minutes, but it's been 45 minutes now that I'm waiting here. Well, try to think. I think he left me a message. Yeah, he left me a voicemail, guys. Let's try to listen to the voicemail. Ou quoi? Parce que je t'appelle, ça sonne et maintenant ça sonne plus. C'est vrai. J'essaie de répondre au téléphone parce que ça commence vraiment à me compter. Donc, je peux pas aller au téléphone. Ah quoi? Dépêche-toi là. Pour réécouter le message, faites le 1. Guys, it's so mad. I'm so scared right now. My goodness. I know that this prank will make him go extremely mad. So guys, don't forget to give a thumbs up if you want more pranks from us. Leave in the comment section which team are you in. And yes, guys, hopefully we'll get him good this time. But I already feel bad about it because I know he'll be mad. But yeah, and also I get a perfume. I don't even can see over there. So I'm gonna use the perfume, and then he will smell the man's perfume on me, and then he will just go wild because he knows that this is not his perfume. So yeah, I just use the perfume and we'll see his reaction when he smells this perfume on me. Plus I'm late, plus I turn off the phone. Oh, that's too much for him, guys. So okay, I won't talk too much, so enjoy the prank. Tu te fiches de ma gueule ou quoi? Je t'appelle, ça sonne et maintenant ça sonne plus. J'essaie de répondre au téléphone parce que ça commence vraiment à me gonfler là, tes trucs là. Je sais pas, le téléphone ça sert à quoi? Dépêche-toi là. A few moments later. Tu te fous de ma gueule, toi? Depuis tout à l'heure, je t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Je sais pas, t'en appelles? Qu'est-ce que tu m'as appelé? Je t'ai appelé, là, je viens de t'appeler il y a même pas une minute. Depuis tout ce temps, je t'appelle, tu faisais quoi? Je sais pas,
Il y a parfait qui était réduit. Mais je conduis, je peux pas, donc sûrement c'est parce que je conduisais, c'est pour ça que j'ai pas vu ton appel. Excuse-moi. Je t'ai pas vu. Je t'ai appelé, ça sonne. Hein? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? C'est quoi cette odeur de parfum là? C'est mon parfum? Voilà, bien sûr, tu mets des parfums d'hommes, mais toi, quoi? C'est pas en train de te foutre de ma gueule. C'est pas un parfum des hommes, c'est un parfum que j'ai mis là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais y a rien dans le sac. Comment je prends le téléphone? Mais t'as insisté. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Mais. Pourquoi t'as changé le code? Tu veux changer le code, c'est le même code. Pourquoi t'as changé le code? J'ai pas changé, c'est le même code. Ouais, commence par me péter le code. Pourquoi t'as changé ce téléphone là? Mais attention, je vais casser mon téléphone, mais t'as un souci. Mets-moi le code. Pourquoi? Mets-moi le code avant que ton téléphone, je vais l'éclater, je t'en merde. Mais tu vas faire quoi? Tu te fiches de ma gueule. Il te faut 5 minutes pour aller au magasin et revenir. Oui, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai cherché le chocolat que je voulais, j'ai pas oui, trouvé. Oui, j'ai changé. Parti chercher ton là de merde là. Mais je suis parti dans l'autre magasin. L'autre magasin, quel magasin? À cette heure-ci, il n'y a plus de magasin qui est ouvert. Il y a le seul magasin, c'est celui-là. Oui, mais l'autre Monoprix. Hein. Au Monoprix. Mais oui. Tu te fiches de ma gueule, Monoprix. Ah, non, Casino. Ah, mais non, on change de magasin. T'as vu parce que de Casino, on passe à Monoprix. Monoprix, on passe à Casino. Mais tu te fiches. Mais j'ai cherché dans les c'est autres. C'est qui le mec? Mais quel mec tu parles? Mais t'as un souci. C'est qui le mec? Mais quel mec? Commence pas à péter les couilles, je te dis. C'est qui le mec? Il n'y a pas de mec, mais t'as un souci. Ouais. Passe-moi ton téléphone. Mets le code. Donne-moi ce putain de téléphone de merde. Donne-moi ce... Mais regarde, viens. Mais allez, donne-moi ce téléphone. Tu exagères. Okay. Aussi. Pourquoi c'est vide? Pourquoi il n'y a plus de message? Parce qu'il n'y a pas de message. Enfin, tu vois, tu parles... Bruh. N'ose pas me péter les commence pas à m'énerver, je te dis. Je vais t'éclater le téléphone sur le front. Mais commence pas à m'énerver, je te dis. Calme-toi de quoi? Pourquoi tu te prends pour qui toi? Mais attends, tu sors de la maison, tu vas te balader comme ça, tranquille. Il y a ta fille qui pleure. T'es là, tranquille, tu penses qu'à toi, en fait. Tu penses pas à ta famille, tu penses même pas à tes enfants. T'es en train de te promener, là, tranquille, dans la voiture, tu crois quoi? Que t'es célibataire ou quoi? Mais non. T'as des responsables. Non, en plus de ça, tu rigoles, tu te fiches de ma gueule ou quoi? Non, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est parce que toi, tu dis que quoi, je pense pas à mes enfants. Je t'ai expliqué que je voulais manger du chocolat, donc je suis partie acheter. Mais tant que tu t'aimes chocolat, tu peux attendre demain, non? Mais non, j'ai tellement envie de manger là. Oui, tu reviens avec l'odeur de parfum d'un mec sur toi, mais tu te fiches de ma gueule en fait. Mais ça, c'est parce que je suis passée par les rayons des parfums, c'est pour ça. Rayons des parfums, tu t'amuses à te parfumer la gueule le soir. Soit c'est mon parfum, soit c'est le rayon. Tu te fous de ma gueule, je connais tout l'odeur de tes parfums. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais donc, je sais pas. Hé, commence pas, tu es en train de me foutre la tête comme ça, alors qu'arrête. Tu t'agites comme ça, bêtement, sans raison. C'est bon, vas-y, c'est bon, je vais casser. 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 Tu veux te foutre de ma gueule? Mais je ne me fous pas de ta gueule. Dis-moi c'est qui le gars. Mais je me... Dis-moi c'est qui le mec. Je te jure, on ne fait pas péter. Il n'y a pas de mec, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y a pas de mec. Alors pourquoi tu as cette odeur sur toi? Mais je t'ai dit que c'est sûrement parce que je suis passé par les rayons des magasins. Moi je passe dans les rayons des magasins,
là où il y a des parfums, là où il y a des déodorants. Je sors du magasin, j'ai pas un seul pet de parfum sur ma gueule. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai essayé certains parfums pour savoir si je peux t'en acheter. Tu fiches de ma gueule, toi. M'en acheter. Est-ce que je t'ai déjà demandé de m'acheter un parfum? Moi, je voulais faire une surprise. J'en veux pas de ces merdes. Est-ce que je t'ai demandé de m'acheter un parfum? Non, je te dis, tu vas chercher ton p***. C'est qui le mec qui t'envoie des messages depuis tout à l'heure, quand tu étais ici? Avant que tu ailles chercher ton chocolat, tu m'as trouvé une excuse de p***. Mais je te jure qu'il n'y a pas de... Arrête de sourire parce que tu vas vraiment me faire péter un peu. Tu vas avoir besoin de parler comme ça, tu sais. Non, j'ai pas le temps pour ça. Qu'est-ce que t'es parti foutre depuis tout ce temps, moi, alors? Tu es en train de te foutre de ma gueule. Mais non. Hé, le seul magasin dans p*** qui est ouvert à 24 heures, c'est ce p*** qui est juste à côté de chez nous. Tu vas aller chercher où encore ton magasin? Je t'ai expliqué que je ne l'ai pas trouvé dans le magasin, donc je suis... Oui, je mais autour de là, je travaille autour de Bordeaux, tous les jours. Oui. Il n'y a pas un magasin à côté. Oui, mais je suis allé chercher encore plus loin. Encore plus loin, je ne saurais pas t'expliquer c'est écoute où. Écoute-moi, encore plus loin, ça sera tes cliques et tes claques dans une valise et tu vas voir c'est plus loin, c'est où. Tu exagères, c'est bon, j'ai rien fait de mal. Ta fille, toi t'es partie te balader comme ça, tranquille. Ah, c'est bon, je suis partie chercher un chocolat. Le chocolat, tu peux prendre demain. Oui, comme si demain, okay. Je sais pas, il n'y a pas d'autres magasins qui auraient été ouvert demain. Excuse-moi, mais je voulais prendre là, ce soir même, c'est pour ça j'ai insisté. Ce soir même, tu reviens, tu pues l'odeur d'un parfum de mec. Comme ça. Tu peux croire ce que tu veux, donc. Crois ce que je veux, je te dis tout de suite, dis-moi la vérité ou je vais vraiment péter un plomb. Non, je te dis ça, c'est la vérité. Tu pars de chez moi, il y a mes enfants qui sont là en train de dormir. Madame, elle décide tard le soir d'aller se balader, à chercher un chocolat. Bah oui, mais je me balade. Tu te dis ma gueule, toi. T'as de la chance, mais je te jure. Mais... Dis-moi la vérité. C'est juste ça, je veux savoir. Si tu me trompes, dis-le. Parce que si je trouve, je te jure. C'est la vérité, je te trompe pas. Parce que ce groupe vit toujours et toujours mouvant et projette d'autres actions. Donc on a un peu sentiment. Soit tu me dis tout de suite qui est le mec. Soit tu dégages d'ici. Je t'ai dit que je te trompe pas et pourquoi moi je sortirais de cette maison? Mais t'es malade, je te dis la vérité. Non, mais t'es malade, mais je ne sortirai pas de cette maison. Mais tu te prends pour qui? Tu vas te balader tard le soir. Parce que moi, quand je finis tard le soir... Je t'ai expliqué. Expliquez, moi, je ne suis pas ta copine à me faire ça, là, parce que... Tu sors de la maison, tu reviens, tu pues l'odeur de parfum de mec. Mais mes enfants, ils sont là, ils sont en train de dormir, leur mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se promener comme ça, tranquille. Je fiche de ma gueule, toi. N'importe quoi. Non, il n'y a pas de n'importe quoi. Dis-moi, c'est qui le cas? Parce que si je le trouve... Il n'y a personne, donc t'as déjà fouillé sur mon téléphone, il n'y a personne, donc je crois pas. Mais c'est normal que je trouve personne dans ce téléphone de merde, parce que t'as tout supprimé. Les messages sont disparus comme ça, d'un seul coup. Oui, je vois pas où le problème. Hey, si t'es en train de faire une blague, je sais pas quoi, dis-le, parce que je te jure, je vais péter un câble. Tu vas regretter. Mais tu veux que je te dise quoi? Pourquoi t'as tout supprimé dans ton téléphone, alors? S'il n'y a personne. Ah, c'est pour moi, tu m'énerves, c'est bon. Quoi? Tu m'énerves, c'est bon. Je le répète, une dernière fois. J'ai dit, tu m'énerves, c'est bon. Bruh. Franchement, là, t'es parti trop loin, là. Non, mais sérieux, non. Là, le truc que ça va faire, dans ce et barre-toi de chez moi. Moi, je prends pas des gens qui vont se promener. It's a prank. Tu te fous de ma gueule, maintenant, tu décides c'est un prank. Non, mais sérieusement, it's a prank. Là, t'es parti trop loin, là. Non, mais sérieusement, t'es parti trop loin. T'as vu ce que tu as fait? Je m'en fous de ça. Sérieux, c'est grave ce que tu fais. It's a prank. It's a prank. And there's a camera over there. And you're behaving like an animal. Like, seriously, guys. Guys, look what Rudy just did.
I know I went too far this time, but I think he's overreacting, guys. What do you think about it? Just leave it in the comment section below. Like, you don't have to just throw things like that at my face. I think you're overreacting. It's a prank, baby. See? Silly, it's a prank. And no, I'm not cheating on you. This prank is so... I know that you won't like it because when I was doing the intro with them, I explained to them that you wouldn't like this prank, but I really have to get you good this time because, you know, you did so many pranks on me. So I have to, you know, come back more harder this time. So, guys, what do you think of Rudy's reaction? I think he's too wild. You're so wild. You have to excuse yourself, at least, of your behavior. No, I hate when guys trying to take blame me for fool. So guys, look at this. What do you want me to do with this? What do you want me to do with this? Huh? Put it back in the shop. Okay guys, if you enjoyed this prank, don't forget to give a thumbs up and subscribe if you haven't yet. Don't forget to click on the notification bell to be notified each time when we post new videos. And yes, leave it in the comment section below about if you like this prank or not, if you want more pranks from us. And see you next time and stay safe. Come be. Oh, you don't want to say bye? Okay, he's mad, so it's okay, I understand. I went too far, but yeah. See you next time, guys. Bye-bye.